Bonjour les enfants de Liam. Aujourd'hui on est lundi, lundi bleu. Et aujourd'hui je vous propose une activité de motricité fine. Alors à l'IME, il y a beaucoup d'enfants qui adorent faire des bracelets. Alors aujourd'hui je vous propose d'en fabriquer avec de la laine ou du fil. Il vous faudra aussi un morceau de carton, un récipient, un bol, enfin quelque chose qui est rond, d'accord, des ciseaux et un crayon. La première étape, on va venir dessiner un rond sur le carton. Pour m'aider, j'utilise le récipient et avec un crayon, je vais faire tout le contour. Voilà, maintenant je découpe. Voilà, mon cercle est découpé. Maintenant, je vais mesurer le cercle. Donc ça fait 12 cm. Je trace un trait au milieu, donc à 6 cm. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, au milieu, sur ma croix, là, je viens faire un trou. Voilà. Je vais découper mon gâteau en 8. Voilà. Et sur chaque trait, je vais découper, pas beaucoup, juste ça. Voilà, on le met de côté. Maintenant, vous allez découper 7 fils. 7. Des couleurs que vous souhaitez. Voilà, j'en ai découpé 7 moi. On fait un nœud. Un double nœud. Mon nœud est fait. Je vais passer tous les fils dans le trou. Comme ça. Et tout à l'heure, avec les ciseaux, on avait fait plusieurs petits trous. On va passer un fil dans chaque trou. Par exemple, dans ce trou, hop, je passe le fil, je viens le coincer. Je fais la même chose à côté. Là aussi. Il reste un trou vide. Alors, le trou où il n'y a pas de fil, je le mets devant moi. Après, je vais compter sur la droite. 1, 2, 3. Le troisième fil, je le prends et je viens le mettre dans le trou devant moi. Après, je tourne, je remets le trou vide sans fil devant moi et je compte. 1, 2, 3. Je prends le fil, je le mets dans le trou. On tourne, toujours le trou devant moi. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je prends le fil et je le mets devant moi. Et vous continuez longtemps, longtemps, longtemps. Et votre bracelet, il va sortir par ici. Alors, ça prend un petit peu de temps. Il faut être patient. Mais après, vous allez avoir ce bracelet. Voilà, bon courage les enfants. Bisous, bisous.